une seule entité au service de la CIA, au service des États-Unis. Les États-Unis ont failli de la seule façon pour les États-Unis d'empêcher cette faillite qu'on ne peut plus arrêter. Eh bien, c'est de coincer le monde entier via le monopole. Nous sommes à Saint-Eustache. Manifestation pour la paix sur la planète. Le son du canon s'approche. Le son du canon s'approche. Sur la protection des terres qui vont acheter la moitié de l'Ukraine à partir de la Croque. Sur la reconstruction. Vous aurez reconnu Francis Lalanne, combattant pour la paix. On a Gaza, qui compte partout ailleurs. Je fous le feu. Et ensuite, je viens sauver et reconstruire ce que j'ai détruit. Mais une escroquerie éternelle, car la faute hier, la première guerre mondiale, c'était pareil. La deuxième guerre mondiale, c'était pareil. Toujours. Vous savez que c'était en fer, avec sa banquier, la grippe espagnole. Ça fait plus de morts que la guerre elle-même. C'est une pure importation. Les États-Unis fonctionnent avec ce système ultra-libéral comme des dingues. Ils font toujours aller de l'avant. Voilà, la Suisse est à l'avant permanent avec un total de morts. Le plus grand nombre de morts possible. Ah, vous savez, c'est Rockefeller qui avait envoyé la soutien. François, alors, qu'est-ce que tu... Pour la paix dans les cœurs, le message de paix. Elle est belle ta veste en tout cas. Hein. Ouais. Ce serait tellement simple de faire comprendre aux gens que l'amour est mieux que la guerre. Je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe là? On est sur le même bateau, on s'entretue depuis des années. Il y a un truc qui va pas là. Je crois qu'il y a un virus. Hein. Et le virus, c'est Macron. C'est ça. Non, tous ses copains, enfin, tout ce qui gouverne. Les marchands d'armes, tout ça, il y a des intérêts. Il y a des intérêts toujours. Les banquiers aussi, ça les intéresse aussi qu'on soit dans la merde. Hein? Les banquiers, ce qui les intéresse, c'est que les petits soient au ras du sol, quoi, tu vois. Ah bah oui, j'ai vu. C'est pour que ça leur rapporte, refaire surface. Tu sais que les frais de dossier pour les petits, 50 euros parce que vous n'avez plus d'argent. Hein. Voilà. C'est ceux-là qui font... C'est ça, c'est leur beurre. Ils font leur beurre avec ça. On relève sans te dire maintenant, là, il y a des nouvelles législations. Là, c'est ça. On lui a prélevé 3500 euros sur son compte direct. C'est ça. Voilà, avant, il y avait des négociations, maintenant, il n'y a plus de négociations. C'est ça. Ils deviennent de plus en plus durs dans les banques, t'as raison. On te tire tout. Alors, non, on peut faire des échéances, etc. Non. Sans pitié. Et, bon, il faut sortir de l'argent. Est-ce qu'on va y arriver? Le troc, toi. C'est ça. Ouais, je crois. La June. La June, ouais. Et c'est une énergie de troc, en fait, la June, c'est pas mal. Parce que, eh bien, il y a des gens qui veulent faire une monnaie libre. Je dis non, laisse tomber, tu vas avoir des problèmes. C'est ça. Parce que, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est ça. Ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Et, la June, je sais pas pourquoi, c'est bien ficelé, c'est bien informatif, c'est du troc, tu vois. Si tu essayes de contrer, de faire la même chose, cool. Certains ici veulent faire la même chose qu'un système qu'on critique. Le problème, c'est le fric. Si, du jour au lendemain, je dis aux gens, arrêtez de consommer un mois, ils sont finis. Pourquoi on n'y arrive pas? Faites vos commissions. Il faut qu'on fasse en fait ce virus-là, c'est-à-dire faire comprendre que si on ne consomme pas, ils sont finis. Mais il paraît qu'il faut un certain nombre, il faut qu'on soit beaucoup plus. Mais les gens sont tellement... Voilà, 1 million, bah justement, cet après-midi, j'ai vu Étienne Chouard dans une salle pour un atelier de travail des constituants, et il a dit le même chiffre que toi, et il a dit 1 million, sur la planète, il a dit en plus. Hein. Là, en ce moment, je suis relié, toi, parce qu'en fait, toi, j'ai retiré le costume, c'était un peu le deal, mais ça fait beaucoup de bien, parce qu'en fait, c'est l'incarnation de Jésus. Non, mais ça te va bien comme ça, parce que la veste, elle est...
Ouais. Avec tes cheveux longs comme ça, ça... Ben oui, parce qu'en fait, il faut refaire partir le mouvement Peace and Love, tu sais. C'est ça. En fait, je vais l'appeler, pas Peace and Love, parce que c'est anglais, la paix et l'amour. La paix et l'amour, le vrai symbole, c'est celui-là. Voilà, dans l'autre sens, en fait, tu m'as dit. C'est un signe que tu as été créé en 58, ouais. Tu l'as dit, ouais, tout à l'heure. J'ai regardé sur Internet, tu l'as assez. Voilà, c'est... contre le nucléaire. Voilà. N, ça c'était un N. Mais normalement il l'a retourné, il y en a aussi dans l'autre sens. Alors il l'a retourné pour faire le mouvement Peace and Love. Et c'est pour ça qu'il est diabolique finalement. C'est là que. C'est pour ça que c'est mieux de le mettre dans le sens que tu l'as mis alors. C'est mieux de le mettre dans le sens que tu le mets là. À l'origine il était comme ça. Ah oui, c'est le vrai sens. C'est vers le ciel. Alors que là, c'est la représentation d'un homme en train de faire une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui! Alors c'est dégueulasse! Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, les gens l'ont pas vu! C'est ça! C'est peace and love, voilà! Mais love très bas! Alors que là, c'est les mains vers le ciel! C'est ça! Voilà! On en reste là! Tout puissant! Bah merci! Merci! Merci François! À bientôt! À bientôt!